Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir José Grâce sur ma chaîne. Qui est José Grâce? José Grâce Béni est une artiste chanteuse du gospel. Je suis aussi évangéliste et coach sur le plan vocal à l'état civil Moukoubé Mazalou. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé en 2003. Par quelle chanson vous avez commencé? J'ai commencé par un morceau qui est titré « Pardon ». Ne rendons pas le mal par le mal. Qu'est-ce qui vous a motivé à être chanteuse de la chanson togolaise? À l'âge de 8 ans que j'avais commencé, quand je vois les artistes à la télé, je voulais être comme eux. Et donc, tout de suite, j'étais dans la chorale, dans les groupes shop d'animation. Et puis, à l'école, je jouais au théâtre. C'est ce qui vous a motivé à devenir chanteuse de la chanson togolaise? Je suivais les Aziz et Bangoul, je les ai suivis. Et je faisais leur chœur à un niveau donné. Et en 2003, j'ai commencé par rentrer en studio pour faire mes propres compositions. Quel genre de musique vous produisez? Je fais de la tradie moderne. Avec mes messages du gospel. Le gospel, ça veut dire parole de Dieu. Et les jouer sur le rythme traditionnel de chez moi ou d'ailleurs. Vous voulez dire que vous chantez le gospel en utilisant la tradie moderne? Bien sûr, c'est ce que je fais. Et c'est quel genre de tradition vous utilisez? Je suis plus dans le nanzo. Mananzo. Que moi j'ai coupé tout court, nanzo. Okay. Donc je fais une fusion de nanzo et l'afropop. Dis-moi, c'est Nanzo Fusion. J'ai fusionné Nanzo à l'afropop. J'utilise la langue kabyère pour fusionner à l'afropop. Et donc, cette musique que j'utilise s'appelle le Nanzo. Et donc, je l'appelle Nanzo Fusion. Par quelle chanson vous avez commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière avec le titre Pardon. Ne rendons pas le mal par le mal. Qui est sur mon premier album, qui est sorti en 2003. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui? J'ai à mon actif 7 albums et le 8e est en studio. Et combien de chansons avez-vous aujourd'hui? 80 et plus, hein, parce que j'ai eu à composer des morceaux pour des entreprises et des circonstances de fête, des anniversaires et tout. Il y en a qui demandent à ce que nous puissions composer. Et sur le plan politique aussi, nous composons des chansons pour sensibiliser. Avez-vous déjà eu des awards? En 2003, j'ai été nominée meilleure dans la composition de la chanson sur le sida. Et j'ai reçu mon prix à la salle Fazao du 2 février en 2003. Et j'ai été nominée meilleure artiste gospel dans Kara Music Awards. J'ai été nominée Reine du Palais, nominée à SKA, Les âmes qui sont sauvées. Sont mes awards. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteuse de la chanson togolaise. En 2009, j'étais à Trècheville à Abidjan. J'ai joué à la salle de la Bourse du Travail avec de grandes stars ivoiriens et maliens. La tenue que je portais, mes accoutrements m'ont apporté de grandes choses. J'ai porté les pailles traditionnelles et avec la flèche que je tenais, ça a vraiment donné de grandes choses. Ça m'a propulsé d'ailleurs et ils m'ont demandé à faire une tournée avec eux. Nous devons nous encourager les uns les autres. Est-il facile d'être un artiste au Togo? C'est pas du tout facile d'être artiste au Togo. Quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune Togolais qui veut commencer sa carrière? Moi je dirais, il faut sentir l'appel. Il faut sentir la voix de Dieu. Il faut avoir le talent. Savoir qu'on a le talent. Avant de se lancer dans cette carrière. Avez-vous un mot de fin? Je voudrais vous remercier, vous, Madame Nathalie Tchonda, depuis Washington, qui nous fait l'interview. Je voudrais aussi remercier les fans. Je remercie également le bureau de la SKA pour l'award. José Grâce, merci d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, DC, aux États-Unis. Et très prochainement, on se reverra pour un prochain numéro. Merci beaucoup. Au revoir.